Non mais tu vois, c'est ça ton problème, tu commences déjà à rigoler. Non mais les gars, faut prendre les choses au sérieux les gars, c'est pas toujours la rigolade. Là c'est sérieux, si jamais t'as des traumas, on a peut-être la solution. Peut-être tout ce que Freud il a dit, ou tous les gars qui font de longues études pour pouvoir régler tout ce qui est trauma, spiritualité, tout ça. Là on a peut-être une solution. Ok, donc je vais te partager ça, mais voilà. Hein, si t'as des traumas, sache qu'il y a une solution. Il y a une bonne solution. Bon, avant de commencer, je te rappelle que tu as mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert avant de créer la DAC. Regarde quand même. Hein. Je sais pas, jette un petit coup d'œil quand même. Hein. Et passons directement à la vidéo, tu verras, c'est important. Shaking is such a primal practice of releasing trauma and somatic blockages and emotions through our body, especially our hips. Our hips now we... Mais non! Mais non! Mais c'est pas possible! Non mais elle est sérieuse ou pas? Mais quand même! Oh! Mais juste, alors je me dis en fait, plus c'est gros, peut-être plus c'est gros, plus ça passe. C'est ça le principe en fait. Plus c'est gros, plus ça passe. Non. Non mais là ça devient du n'importe quoi. Donc là quand t'as des traumas, tu secoues tes fesses. Tu secoues tes fesses. Voilà. Donc voilà. Voilà, t'as des problèmes, ça va pas, tu secoues tes fesses et ça devrait aller quoi. Is where we store emotions. Yep. So when you are twerking, when you're shimmying, you are literally releasing trauma, releasing stored emotions from your hips. When you're bending. Ah bah tu vois, bah oui. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça, que nos émotions sortent par les fesses. Bon, elle a dit les hanches. Je sais pas, je pense pas que tu secoues tes hanches, tu secoues quand tu twerks. À moins que t'aies pas la bonne technique. D'accord. Knees, you're crouching on the floor, you're connecting to earth, you're connecting to the womb, you're restored. Évidemment, évidemment. Donc quand tu twerks là maintenant, ça veut dire que là c'est tellement spirituel, tu te connectes à la terre. Dis-nous juste, tu veux twerker et c'est cool, il n'y a pas... Qu'est-ce que c'est que c'était quoi? C'est un truc, une excuse? Si tu peux twerker, twerk si tu veux twerker, c'est quoi ton problème? Hein, je suis pas sûr là, si tu pars en guerre, que tu vis beaucoup de trauma, je suis pas sûr qu'en twerkant, ça va s'évacuer à travers tes fesses et se connecter à la terre. Je suis pas sûr, Géraldine. Là, on sent que vous galérez. On sent quand même que là, vous galérez les gars. Your energy, and that's why it's not even just an African dance, but in Middle Eastern dance, in Latin American dance, salsa dance, bachata. Whoa! Ne nous mets pas dans tes bails. Non. Nous salsa, non. Ça n'a rien à voir. On danse, on prend du plaisir, on prend 2-3 numéros. Évidemment, hein. Enfin, c'est le principe quand même. Calme-toi quand même. Ça n'a rien à voir. Twerking et salsa, c'est quoi? Mais c'est quoi ton problème, toi? Every single dance form has some form of hip movement to it. Mm. This is also why zebras, when they're running away from a lion and they're about to get eaten, and they make it into the nick of time, they shake their bodies off, release the trauma. Alors là, je pense que j'aurais tout entendu là. C'est pour ça que les zèbres ils courent et après ils se secouent. Là, je sais pas quoi dire. Je sais pas ce que t'en penses, mais là, je pense. Évidemment, bien sûr. C'est pour ça que les zèbres, ils courent et puis. Come back to homeostasis. So I started to realize that as I was doing this, I was healing myself through all of these generations of collective trauma that now we know with epigenetics is actually stored within our systems. J'ai bien l'impression que là, en fait, t'aimes twerker et tu savais pas trop comment trouver une excuse, mais ça pose pas de problème, tu twerk. Hein. Enfin, je veux dire, moi, ça me pose pas de problème que tu twerk, que je vois pas trop le problème, tu vois. Tant que tu twerk pas sur un autre gars. Que ton gars. Oh. Ça, c'est des bases. Je sais que c'est un petit peu méconnu de beaucoup, de certaines. Hein. I realized that twerking, shimmying, undulating, shaking truly is a spiritual practice. And now I share it as much as I can. Voilà, et maintenant le partage à tout un chacun qui veut l'entendre. Twerker les filles, tu vas voir, tous tes traumas vont partir. Donc, à quoi ça sert de faire des études? Quoi ça sert de faire
des études thérapeutes, psychologie, ça sert à rien. Je ne sais pas pourquoi les gars perdent du temps et vont dans les écoles comme ça, hein. ça sert à rien. Voilà, bon, en tout cas, dis-moi ce que tu en penses, hein, n'hésite pas à partager cette vidéo à toutes les filles, voilà, pour qu'elles puissent, voilà, toutes les filles qui aimeraient se libérer de leur trauma, voilà, sachez les filles qu'il y a une solution. Merci à Géraldine de nous avoir partagé ça. Ça fait plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Hein. Mets un petit j'aime pas si t'as pas aimé la vidéo. Hein. Et les gars, si vous allez plus loin avec moi, tu connais déjà, il y a Zion, groupe des 10%, hein, pour pouvoir, où je te partage toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5000 euros par mois. Plus t'as accès à plein de choses. Tu checks ça, j'explique tout ça dans la description. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je suis à ton camp.